Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose de revisiter un classique de la cuisine, l'avocat crevette. Donc, on va commencer par préparer l'avocat. Je le coupe. On va récupérer la moitié pour cette recette. Regardez-moi ça. On va le peler, évidemment. Là, il est parfait. Bien mûr, mais pas trop. Quelques coups de couteau. Et directement dans le bol du mixeur. On n'oublie pas le jus de citron pour qu'il ne noircisse pas. Et on va broyer tout ça. J'ajoute un peu d'ail, une petite pointe, du sel, pas besoin d'en mettre trop. Et une belle cuillère généreuse de crème. Et maintenant, mixez! Voilà, une crème d'avocat. En fait, c'est un guacamole, hein, tout simplement. C'est déjà la base de notre première partie et on continue avec les crevettes. J'ai choisi de belles queues de crevettes déjà décortiquées. Et là, on va faire ce qu'on aime le plus, jouer avec les épices. Du paprika pour donner une jolie couleur. Et vous le savez, en plus, les épices, c'est bon pour le moral et la santé. N'hésitez pas à en abuser. Du gingembre en poudre, une belle pincée de poivre et une pincée de sel. Pas besoin de plus que ça. On enrobe toutes les faces. Et maintenant, dans une poêle chaude, un peu d'huile de pépins de raisin. Les crevettes sont bien dorées. À peine une petite minute, elles sont déjà parfaites. Mon guacamole juste à côté. Et il n'y a plus qu'à déguster. À demain si Dieu veut.